Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui pour ma première vidéo, on va commencer une série sur Knights, Clash of Heroes. Ça va être très simple, hein, on va découvrir le jeu comme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de quêtes, je crois que j'en ai fait 3, la quête principale, un combat et ça. Maintenant on va continuer. Alors, j'ai déjà essayé, mais ça me paraît un peu bizarre en fait. Ça a l'air assez compliqué quand même comme jeu. Alors. Ah, ok, c'est ça. Je me demandais ce que c'était. Donc, non, c'est pas ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Très bonne question. Alors, faut attendre la recherche. Enfin, je sais pas comment on dit. Donc, moi, j'ai pas envie d'attendre. Ensuite, vous faites show. Vous la mettez là où vous voulez. Voilà. Ensuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer. Voilà, comme c'est le premier truc, je pense que c'est normal que ça soit gratuit. Après, peut-être que ça va me le débourser de mes diamants. Hein. Voilà. Donc, si la musique est trop forte, désolé, hein, j'ai pas pu faire autrement. Ouais, non, désolé pour le plein écran, c'est un gros fail. Ensuite, go to farm, select and upgrade. Ça me paraît un peu bizarre, ça aussi. Non, c'est bon. Donc, apparemment, on n'a pas de niveau. C'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. J'espère que ce jeu est avec les cristals, vous voyez la monnaie entre guillemets assez dure à avoir. J'espère qu'en fait elle va être assez facile. Hein, même si j'ai dit que c'était dur. Hein. En général, dans tous les autres jeux. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, la re-upgrade. C'est assez zarp. Désolé de dire ça à longueur de temps, mais c'est quand je découvre un jeu comme ça me... Voilà. En attendant, on va créer des unités. Donc je sais pas combien de temps ça met. Ah, apparemment c'est bon là. Alors, faut les placer quelque part. Ici. Ah oui, j'en ai qu'une. Alors ensuite, Start Battle Riverside. Donc, à voir, voilà. Donc, on va faire une autre bataille. Voilà. Alors. Ah oui, faut qu'on place nos unités. J'avais pas compris. Ah, voilà. Non. Si, voilà, c'est bon. J'avais pas compris. Du tout, du tout, du tout. Alors, faut qu'on aille où? Oula! C'est quoi ça? C'est censé être une bataille et il n'y a pas de monstre. Ok. Non, mais je comprends, hein, vous savez. C'est tout à fait logique, hein. On fait une bataille, mais il n'y a pas de monstre. Le mec qui est trop à la dèche. Alors, si vous voulez que je traduise dans les prochaines vidéos ce que disent les gens, vous me le dites, hein, je voudrais bien traduire parce que moi et l'anglais, on ne fait qu'un. Là, je vais pas traduire parce que je pense que vous savez à peu près ce que ça veut dire.
Donc, oups, c'est la gros lag. Là, c'est bon, il y a des monstres qui viennent d'apparaître soudainement. Ce qui m'étonne un peu. Parce que des monstres qui apparaissent en claquant des doigts, c'est vraiment très bizarre. Mais bon. Alors. Voilà, c'est bon, on a fini ou non? Non. Donc j'ai pas trop compris comment on se bat pour l'instant. Oups, là, désolé, encore un gros fail. J'essaierai de pas faire ça dans la prochaine vidéo. Je suis vraiment désolé, hein, mais bon, c'est ma première vidéo. C'est pas excellent, je sais. On verra bien pour la suite. Donc là, je crois que je peux aller les attaquer. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ensuite, je crois qu'il faut défoncer lui. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez, je peux traduire, hein. Mais par contre, je connais pas tout, donc des fois, je pourrais pas forcément traduire. Mais bon, alors on verra bien. Alors, on a fait un petit combat. Ah si, il y a des niveaux. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas vu. Ah bah ça va, c'est pas mal. Comme jeu en fin de compte, hein. Moi je pensais être assez déçu comme tous les autres jeux. Mais là franchement, pas beau. Alors maintenant je sais pas ce qu'on va faire en fait. Est-ce qu'on peut en acheter des nouveaux? Ah non, on peut pas acheter des pièces, on peut juste acheter des diamants. Bon, ça en vaut pas la peine. Donc pour une première vidéo, je vais pas faire extrêmement longtemps. Enfin, du moins, je vais essayer, hein. On va faire encore quelques trucs et après, on va se quitter. Voilà, donc on a fait ça, c'est assez bizarre en fait, mais bon, c'est pas grave, parce que les quêtes, ouais, là par contre ça devient un peu chelou, parce qu'on gagne des trucs en faisant tourner un truc, hein. Je sais, je suis pas très logique, mais bon. Go to the shop and click on the right save. Ok, donc je vais bientôt plus avoir de place, moi. J'en ai la forte impression. Alors, requirements for the reconstructions. Alors, je sais pas ce que c'est. Vraiment, absolument pas. Bon. Apparemment, faut le construire, mais faut débloquer, enfin, faut absolument avoir un truc. La forestalling attack. Forestalling attack, ouais, quest. Enfin, je crois qu'il. Enfin, apparemment, faut réussir une quête. Enfin, après, j'en sais rien. Voilà. Donc, speed up for free. Ou cela. Alors,
on n'a pas réussi. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut remplacer maintenant le truc. Alors, on va faire ça vite fait. Où cela? Voilà, 4 sur 4, c'est bon, on a réussi. Bon, voilà, je pense que c'est assez bien, là. 140 000. Excellent. Et il faut avoir le level 15. Ouais, donc, je comprends. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va se quitter ici. Donc après, pour les prochaines vidéos, je vais essayer d'en poster une, voire deux par semaine, quand il y aura pas mal de gens qui vont me suivre et qui vont regarder mes vidéos. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un like ou un j'aime, comme on dit en français, hein, pour ceux qui comprennent pas, on sait jamais. Donc vous pouvez mettre un j'aime en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi lire la description pour plus d'informations sur le jeu, sur ce que je vais faire plus tard et sur quand je vais poster des vidéos. Et je vous mettrai des liens aussi. Je sais pas ce que je vais mettre encore, mais je verrai bien après. Et sinon, vous pouvez vous abonner pour voir toutes mes prochaines vidéos, enfin pour voir quand elles vont sortir. Après, c'est vous qui choisissez. Et sinon, si vous avez envie de proposer des trucs, des jeux par exemple, ou d'autres choses, hein, je sais pas, hein, vous pouvez mettre des commentaires pour que je puisse compléter. Et vous pouvez proposer vos jeux. Ensuite, une fois que vous aurez proposé vos jeux, je ferai un vote. Et le jeu qui aura eu le plus de votes, et ben je ferai des vidéos dessus. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez complet. J'espère aussi que vous avez aimé cette vidéo. Et on se voit bientôt pour ce deuxième épisode. Allez, ciao tout le monde !